Yo les gens, salut à tous, et assalamu alaikum à tous mes frères, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo en personne pour vous dire plein de choses. La première chose, on va commencer par vous, d'accord? La deuxième chose, on va commencer par les youtubeurs. Ça devra, eux? Comment ça, les youtubeurs? Merde, qu'est-ce qu'il va dire sur eux? Ça, vous allez le découvrir dans quelques instants. Et la troisième chose, un peu moi. Mais pour moi, ça va pas durer longtemps, ça va être en bref, et comme ça, on finit la vidéo. D'accord? Alors avant toute chose, merci les Rey. Merci vraiment de m'avoir tiré jusqu'à là. Merci vraiment de m'avoir tiré jusqu'aux 300 000 abonnés. Jamais j'aurais pu penser à atteindre ce chiffre-là. Et je tenais vraiment à vous remercier. J'ai eu une période très dure à mon époque, 200 000 abonnés. J'ai beaucoup stagné. Je suis beaucoup resté dans cette période de 200 000 abonnés. Et pourquoi justement j'ai pas avancé? Pourquoi j'ai beaucoup stagné? Parce que c'était une année où j'étais tac 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 tac. J'étais actif. J'étais inactif pendant 3 semaines. J'étais actif pendant 2 mois. J'étais inactif pendant 1 mois. Voilà pour lesquelles les raisons ma chaîne elle a stagné. J'ai aussi pas pris de risque. Cela répond justement au fait que ma chaîne a pas mal stagné par rapport à ça. J'ai pas pris de risque, j'ai pas. Je me suis pas mis en avant. Si vous préférez, j'ai pas vendu un peu mon image sur YouTube. Ouais, ce que dire ou pas? Et depuis, j'ai décidé de prendre les choses en main. De prendre les choses à ma sauce, comme je le souhaitais moi. Comme je le voulais et pas comme le voulait la communauté. Je l'ai fait, j'ai pris le risque, je suis parti jusqu'au bout de mes idées. J'ai eu peur. J'ai limite cru en vos propos et j'ai cru en vos propos. Je vous le promets que j'y ai cru. Mais au final, quand j'ai vu la vraie face des choses, je me suis dit, au final, ils ont eu tort. Heureusement qu'ils ont eu tort. Justement, quand j'ai commencé à me faire mes défis chelous, etc., proposer même mes cartes Pokémon, nanani nanana, il y a eu beaucoup de gens, t'as coulé, TK, t'as coulé et tu vas couler, tu vas perdre des gens, tu vas, etc., etc. Et j'ai cru, je dis, ouais, ils ont raison. Ils ont raison. Et au fil du temps, les frères, je vous le promets de ce que j'ai de plus cher. Je sais pas d'où vient cette communauté. Je sais pas qui c'est qui m'a envoyé. Ça se trouve, c'est des youtubeurs qui m'ont fait peut-être un peu de pub, je sais pas. Peut-être l'autre il a parlé en bien, l'autre il a parlé en mal, l'autre il a. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai une grosse masse qui est arrivée. Et je vous le promets, je dis pas ça pour faire genre parce que c'est ma vidéo spéciale 300 000 abonnés. Les chiffres ne mentent pas. Je gagne en moyenne maintenant 1500 à 2000 abonnés par jour. Quand j'étais à ma période de 200 000 abonnés, je faisais du 150 à 200 abonnés par jour. C'était très faible pour une chaîne comme la mienne. Mais le fait d'avoir pris des risques, ça a payé. Je me suis jamais rivé vers le regard des gens. C'est-à-dire tout ce que je faisais sur ma chaîne YouTube, je l'assumais. Je sais que j'allais sortir, je sais que j'allais rencontrer des gens, je sais que j'allais rencontrer des gens de la chicha, je sais que j'allais rencontrer des gens de mon quartier, mais quoi qu'il arrive, j'assumais, je partais jusqu'au bout. J'arrivais la tête levée. Ça passe ou ça casse, la personne qui voudra me dire quelque chose, elle me le dira de toute façon. Quoi qu'il arrive, ils me diront quelque chose. Et quand j'arrive dans mon secteur, ou là, en dehors, ou même dans Paris, etc., quand les gens me croisent, ils me serrent la main. C'est pas, c'est comme s'ils me crachaient dessus, mais j'étais des tomates. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est pour ça que je suis très confiant et. Et je continuerai toujours dans cet aspect. Malgré les moments durs, les rails, aussi, j'aimerais que vous sachiez une chose. Je vous ai jamais sous-estimé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des temps durs entre vous et moi. Il peut y avoir des temps durs. Des temps où on ne se comprend pas. Des temps où je peux vous décevoir. Des temps où vous pouvez me décevoir. Mais une chose qu'il faut retenir. Je vous ai jamais. Je vous ai. Comment vous dire ça? J'ai jamais parlé en mal sur vous. Que Dieu m'en soit témoin dans mes propos. Que ce soit sur ma que ce soit sur ma page personnelle Facebook, ma page officielle Facebook, ma page Twitter. J'ai jamais dit que ma communauté elle était pourrie. Et sachez les rayons que beaucoup de gens le pensent. Il y a beaucoup de gens qui me disent TK, waouh, chose qui t'arrive en ce moment, toi, sur ta chaîne, entre tes cartes Pokémon, tes défis, oh, l'espace commentaire, c'est un défouloir. C'est une meute de loup, hein. Je vous le promets, mot pour mot, hein. C'est une meute de loup. On vous traite en gros de meute de loup. Personnellement, ça me gêne pas d'avoir des loups, moi, sur ma chaîne. Ça me gêne pas.
Ils me mordent, c'est pas grave. Tant qu'ils ont pas la rage. Ils mordent, c'est pareil, ils m'ont mis une morsure, c'est pas grave, j'accepte la morsure. Sachez une chose, que malgré un peu l'averse qu'il y a sur ma chaîne YouTube, je me dis que même si la personne s'acharne sur ma chaîne YouTube, je positive la chose. C'est-à-dire que elle m'a critiqué, certes, comme elle le souhaitait, justement, pour faire son intéressante, etc., etc. Mais actuellement, elle est encore là. Et ça, c'est bon signe. Alors, peut-être j'ai perdu certains anciens ou le Hajj, je sais pas. Hein? Peut-être j'ai perdu des anciens. Mais tôt ou tard, ils retrouveront le chemin de la maison. Ils reviendront tôt ou tard. Si c'est pas maintenant, si c'est pas dans une semaine, je sais qu'ils reviendront. Tôt ou tard. Juste par curiosité. Juste pour se dire, tiens, je vais voir qu'est-ce qu'il est devenu. C'est tout. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier. Et pourvu que ça dure entre vous et moi. Message aux youtubeurs. Alors que je sais que beaucoup d'entre vous me regardent. Beaucoup peut être déçus de moi. Beaucoup d'entre vous peut-être, je dis peut-être, hein, sont contents pour moi. Mais par-dessus tout ça, je tenais vraiment à vous passer un message. Ne désespérez pas. Je sais que mon nombre d'abonnés, je le mérite pas. Par rapport au travail que je peux fournir, par rapport au travail, par rapport au peu de travail que je peux fournir. Je vous le cache pas. Je sais pas, moi-même je sais pas comment je peux avoir, comment je peux attirer cette communauté. Je me dis peut-être je les attire par rapport à mes défis, peut-être je les attire par rapport aux cartes Pokémon. Je sais pas. Mais imaginons que qu'ils sont attirés par ça, je me dirais que c'est petit. Ils peuvent pas être attirés par ce genre unique, ce genre de vieille vidéo. Alors, je sais pas forcément par quoi d'autre il pourrait être attiré. Mais voilà, je tenais vraiment à vous dire que je dis de vive voix que le nombre d'abonnés que je l'ai, je le mérite pas. Et puis, j'ai quand même pris des risques sur ma chaîne YouTube, j'ai fait quand même pas mal de bonnes choses. Vous vous souvenez, parce que j'ai pas fait que des mauvaises choses sur ma chaîne. J'ai fait aussi des petites bonnes choses qui ont fait que la communauté est aussi un peu derrière moi, c'est-à-dire me soutiennent, même si parfois je peux proposer de la merde, mais ils sont toujours là. Mais voilà, tout ça pour vous faire comprendre, j'ai aussi fait des bonnes choses sur ma chaîne YouTube. Après, c'est vrai, après, depuis, bah, j'ai proposé autre contenu. Et c'est vrai que depuis mon commencement sur ma chaîne YouTube, jusqu'à là, maintenant, l'heure où je vous parle, c'est vrai que j'ai jamais prétendu que ma chaîne, c'était quelque chose d'aller ouf, quoi. Tu vois? J'ai toujours fait avec ce que je savais faire, avec mes moyens du bord, avec mon petit Sony Vegas, avec mes petits gameplays, avec ma petite PS4, j'irai avec ma tête, et là ça s'arrête là. Après, s'il y avait, ce serait qu'un pourcentage de travail, ça serait ces mes vidéos de Rachid. Je m'amuse à faire des petits montages, etc. Encore, va voir les montages, quoi. Mais je sais pas comment. Je pourrais pas vous le dire comment j'ai fait pour atteindre 300 000 abonnés. Moi-même, je sais pas. Je pourrais pas, j'ai pas la réponse. Je vous le promets, j'ai pas la réponse. Après, si vraiment vous voulez poser la question, ça, comme à ma communauté, peut-être prendre des gens un par un, dire pourquoi tu t'es abonné à TK, pourquoi tu t'es abonné à ce fou, pourquoi tu t'es abonné à ce mec-là qui fait des défis, pourquoi t'es encore là à regarder ce mec-là qui fait des douches au coca, tu vois? C'est à eux qu'il faut demander. Moi, personnellement, je pourrais pas vous répondre. Je sais pas, je peux pas vous dire, bah tiens, ils sont abonnés parce qu'ils m'aiment bien. Je peux pas. Alors, tout ça pour vous faire comprendre que le travail que vous fournissez, je le vois. Parce que je suis pas arrivé que sur ma chaîne. Je suis pas que arrivé sur mes custom maps zombies. Je regarde un peu ce qui se dit à gauche et à droite. Je regarde un peu ce qui se propose à gauche et à droite. Et puis c'est vrai que quand je vois le travail fourni par certains, limite des montages en 4K, et je t'en passe, etc., des montages avec de la bonne luminosité, j'en suis gêné. Et je l'avoue totalement. C'est pas un crime d'avouer les choses. C'est pas un crime d'avouer que son prochain est meilleur que soi-même. Ça me gêne pas. S'il faut dire ça à chaque vidéo, ça me gêne pas. Si ça peut vous réconforter, etc., etc., ça me gêne pas. Et en plus, c'est sincère ce que je vous dis. Alors oui, je l'admets. Votre travail, il est supérieur au mien. Et je vous félicite. Et je sais que mon nombre d'abonnés, je le mérite pas. Tout simplement. En tout cas, courage à vous. J'espère sincèrement que vous obtiendrez un de ces quatre ce chiffre, que vous ferez plus que moi. C'est avec de la détermination. Moi, j'ai été déter, j'ai pas lâché le steak. Qu'est-ce qui me fait de pas lâcher le steak? Il y a deux choses, c'est ma communauté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent depuis ma première vidéo.
Et la deuxième chose, c'est que je me dis, malgré le sale que je peux fournir, beaucoup de gens aimeraient avoir cette chaîne. Quitte qu'il supprime toutes les vidéos de merde, il les supprime tous, mais il garde le nombre d'abonnés. Il dit, allez hop, je vais refaire un truc à ma sauce. Mais ils veulent ma place. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place. Avoir ce chiffre, avoir une communauté. Et puis voilà. En tout cas, je reconnais que c'est pas mérité. Tout simplement. Troisième chose, en ce qui me concerne, un petit truc personnel, mais je pourrais pas aller au-delà parce que c'est un peu interdit d'en parler. Faut pas aller au-dessus de là. Dites-vous juste une chose. Grâce à vous, bah, je vis de YouTube. Je vis vraiment de YouTube. Ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est un apaisement intérieurement. Parce que je me dis que je vais pouvoir me faire plaisir à l'avenir pour le mois de juillet, août et septembre. Il y a des choses qui vont y aller, quoi. Une caméra 4K Sony. Plein d'accessoires. Ma chambre refaite. Nouvelle voiture. Enfin bref, je peux pas vous en dire plus, j'en ai dit déjà assez. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et je tenais vraiment à vous remercier. Vraiment merci. Malgré les temps durs, je suis pas con. Je le vois, je sais que je fais le con sur mes vidéos. Mais faut pas s'arrêter à cette image que je dégage. Vraiment. Mais vraiment. Dites-vous juste une chose. Dites-vous quelque chose au plus profond de vous, c'est ce mec-là, là. Si je devais la rencontrer un de ces quatre, dites-vous que je serais qui ce qu'il fait dans la vidéo, il ferait pas en face. Là, faut que je me fasse alterner, là. Faut vraiment que je me fasse enfermer dans ce cas-là. T'imagines, je débarque devant vous à la Paris Game Week, ou je sais pas, une rencontre abonnée, ou je sais pas, vous m'invitez chez vous, ou vous m'invitez à manger, ou peu importe, je sais pas, ou dans une situation, on se rencontre. Oh, c'est Carrie, ça va, et moi j'arrive. Non, Starfallah, HM, tu vois ce que je veux dire? Non. C'est que vous fuyez pas ce genre d'image. Tout ça un peu. Bon, la mise à part là, parce que c'est quand même un peu spécial. Mais c'est des images, tout ça. C'est du personnage. On joue un personnage. On s'amuse. Voilà, c'est comme ça, quoi. Tu vois? Faut pas se fier à tout ça. Le seul être dans cet univers qui sait ce qui se cache dans votre cœur, qui sait ce que pense votre tête. Ce qui se cache dans votre tête, même vos fins fonds de pensée, même vos pensées les plus vicelards, les plus vicieux. Dieu seul sait peut pénétrer dedans et voir un peu ce qui se cache. Voilà ce que je veux dire. Personne qui peut dire, tiens, cette personne, elle est comme ça, elle est comme ça. Personne peut se permettre. Personne. On est qui? On est qui pour être... Enfin bref, je m'écarte, mais voilà, on est qui? On est personne. Mais enfin voilà, je suis content. 300 000 abonnés, ça augmente super vite. Vraiment super vite. Et j'espère, bah. Non, je pleure pas. J'ai juste mon œil droit qui me gratte. J'espère sincèrement que ça va continuer. Merci à tous. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et vivement les 400 000 abonnés, Inch'Allah. Sur ce, Yarburn, comme ça, Floscom. Tu vas ici, merde. Merde. Voilà, c'est mieux. Tu vas. Hop, 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 les raies, juste quelques petites secondes. Donc, si vous n'avez pas vu mon avant-dernière vidéo, je vous invite tout simplement à cliquer ici. Et si t'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite tout simplement à cliquer ici. Je vous dis tout simplement à très bientôt, Inch'Allah. Sur ce, Yarburn, comme ça, Floscom. Tu vas ici, merde.